Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Sherlock Holmes. The Devil Daughter Live. Sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ce costume ne convient pas à l'endroit où nous... Costume ne convient pas. Ok, il ne convient pas. Ne vouliez-vous pas vous changer pour la finale? Oui, on va changer. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mon Derek? L'homme aux 18 saucisses. Ce costume ne convient pas à l'endroit où nous allons. Et en tabarnak. T'as dû faire du... Ah, peut-être qu'il va faire du sport. C'est vrai, ça a l'air d'une tenue de sport, ça. Là. J'irais jouer au soccer à Vietnam, moi, là. Oh, ça marche! Ouais, mais tenue de tennis quand tu y joues pas, ouais. Tu fais tes tâches ménagères, tu veux dire. Tu te laves. Monsieur Holmes, vous avez été brillant hier. Vous me flattez, Sir Charles. Je pratique de nombreux sports. C'est la clé de mon succès. Mon ami le docteur Watson, venu pour m'encourager. Vraiment. Monsieur Holmes, voulez-vous voir le premier prix? Un calendrier Quiche Maya en pierre. Quiche Maya? Mais oui. La statue de leur roi légendaire, Tekunuman, est juste derrière vous. Une simple copie en métal. Est là. Ça? Oh. Seuls nos membres ont accès au clubhouse, mais nous avons exposé le calendrier dehors. Allez donc jeter un œil. Crime, c'est pas ta femme qui fait ça, Ciboire? La statue de Tekunuman. Si c'est pas elle, tu lui diras, le caribou a dit d'arrêter, c'est elle qui fait ça, c'est fini. Le niaisage. Le premier prix, le calendrier Quiche Maya. Travail. Ah, Monsieur Holmes, prêt pour la finale? Accordez-moi un peu de temps. J'ai perdu en quart de finale, mais le green était humide. Monsieur Holmes, je suis heureux de vous avoir comme adversaire pour la finale. Les gens m'appellent Arthur l'Invincible. Bonne chance. Moi, il m'appelle Caribou, le mangeur d'hommes. L'accès est réservé aux membres du club. J'aimerais remporter ce calendrier, Maya. C'est une magnifique quota. Quelle belle journée pour un mois de novembre.
Ah, que la neige, la neige. Alors, vous êtes prêts? Ah ouais! Je le suis. Commençons. Surtout que je sais pas jouer. Battez votre adversaire en faisant rouler la boule aussi près possible de la du cochonnet. Ok. Il est où le cochonnet, tabarnak? La ligne? Pas bon. Mais où le cochonnet, tabarnak? Ah, c'est la ligne au bout. Ouais, mais il est où le cochonnet, esti? Ah, le cochonnet, c'est le blanc. Je viens de comprendre, esti. Si tu ne l'as pas assez. Je ne comprends. Hey, tabarnak, on l'a collé, esti! Ouais, mais c'était pas écrit dans le ciel, esti, j'ai catché après. Oui, ça c'est pas bon. Ouf. Ça c'est, ça, c'est mon plus beau tir, ça. Il protège bien, celle-là. Hein. C'était ma boule protectrice. Ouais, mais je joue à la pétanque, mais ça, c'est pas la... En tout cas... Un zéro caribou? Oh yeah! Manche 1 sur combien de manches? J'espère que c'est pas 18 manches. Je savais pas si c'était la pétanque. Ouais, j'aurais dû savoir, mais... Ah, calice! Je pense que j'ai lancé trop loin. Ah ouais.
On est plus proche, mais c'est pas beau. Je pense qu'il me bat là-dessus, là. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, passe-les! Oui, comme un professionnel. 25 quoi? 25 claques dans la gueule? Calme-toi, toi. Ok, wow, ralentis, c'est fort, ça. Non, il l'a pas. J'ai encore des points. C'est moi qui ai les points. Donne-moi 2 points en plus. Moi, je pourrais aider 2 points, moi. Ok. Oh, yes! La pétanque, moi, je suis habitué de jouer ça, mais dans le sable. Quand tu vas à la plage. Ah, oh, ça sonne bon, ça. Oh, c'est pas pire. On l'a passé, par exemple, un petit peu trop, mais c'est correct. Chris, trop. Calme-toi. Je pense que c'est moi qui l'ai là-dessus jusqu'à date. Calisse trop fort encore. Ok, c'est plus fort que l'autre. Wow. Ça a l'air bon, ça. Ah ouais, là, c'est lui qui l'a, là, jusqu'à date. C'est pas mauvais, mais ça manquait de power. Oh, tabarnak! C'est encore pire que l'autre, Sti. Bon, ben, garde le point, Sti. Fais chier. Ouais, tape la mienne, Sti. Tape la mienne, t'es capable! Je sais que t'es capable. Trois.
Hey, toi, là. Enfin, attends, c'est de la... Oh, félicitations, monsieur Hong. Quelle partie exceptionnelle. La remise des prix aura lieu bien... Yes, yeah, j'ai gagné. Je remettrai le calendrier. Je compte également sur votre présence, Dr. Watson. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Le devoir m'appelle. Oh, quel dommage. Rentrons. Pour souper, je mange des ribs du Saint-Hubert avec des sweet potatoes. Et des patates douces. Papa! Bonjour, Miss de Bouvier. Bonjour, Monsieur Holmes. Eh bien, Kathleen? Votre costume! Oh, tu ne l'aimes pas? Oh, si! Kathleen, voyons, ne sois pas insolente avec ton père. Sa voisine. On a eu. Vous savez, papa, Miss Alice m'a raconté ses voyages, les pays qu'elle a traversés. Elle a déjà fait le tour du monde avec son père. Votre fille est adorable. Vous vous rendez compte? Elle était à bord de l'Orient Express quand il a été attaqué. Oh, le rêve! Effectivement. Elle a tellement d'imagination. Et à propos, accepteriez-vous que Kathleen vienne chez moi pour s'exercer au piano? Hey, Luf, comment ça va? Luf 9. L'éducation de Kate sans explication, pas de piano. Quel dommage d'avoir choisi cet instrument. Je déteste le piano, désolé. Oh, papa! Pourquoi vous dites ça? Kathleen, nous sommes voisines, nous nous reverrons. En attendant, je te prête ce livre. Merci, Miss Alice. Where are you from, Love Nine? Tu parles français?
Elle est pas là? Non, t'as pas. Okay. Louvre 9, Louvre 9. Louvre 9, what's up? C'est la statue. Elle a tué Zacharias. Calmez-vous, Sir Charles. Vous êtes sous le choc. Laissez la police faire son travail. La police? Qu'est-ce qu'un petit inspecteur comme vous peut bien y comprendre? Un petit inspecteur? Ah, et voilà Monsieur Holmes. Lestrade. Vous aussi, vous venez recevoir un prix? Très amusant, Holmes. Vous pouvez rentrer chez vous. La cérémonie est annulée, on a un meurtre sur les bras. Vraiment? Dire que je venais juste pour mon prix? Je sais, Holmes. J'ai vu votre nom sur la liste des finalistes. Allez-vous-en. Vous ne me félicitez même pas? Quoi? Vous me croyez naïf à ce point? Vous arrivez comme une fleur et paf, un meurtre. Quelle surprise! Oh, ne vous donnez pas en spectacle, Lestrade. Considérez-moi plutôt comme un simple consultant, votre humble assistant. Ah, très bien. Monsieur Zacharias Greystock, membre du club, a été tué vers 4 heures ce matin. Voilà. Ne touchez à rien. Je vous le promets, inspecteur. Que vous suggèrent les faits? C'est assez clair. Le meurtrier voulait dérober le calendrier Maya et il a été surpris par Zacharias Greystock. Il a pris la première arme qui lui tombait sous la main, la lance de la statue, pour tuer Greystock. Puis, il a pris la fuite au moment où Sir Charles sortait du club. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé la moindre empreinte au-delà du mur. Comme si le meurtrier s'était évaporé. Regardez par vous-même. Avez-vous fouillé le clubhouse? Pourquoi? Le meurtre a eu lieu dehors. Tabarnak! Tu l'as transplanté? Cette lance vient de la statue du piédestal. Des feuilles sèches. Elles craquent sous le pied. Zacharias a dû marcher dessus. Des feuilles sèches. Elles craquent sous le pied. Zacharias a dû marcher dessus. Des feuilles sèches. L'argent est toujours dans le portefeuille. L'argent fait le bonheur. L'argent... Des feuilles... Des feuilles... Cette lance vient de la statue du piédestal. L'argent est... L'argent est...
Ah, une menthe, j'avais pas vu la menthe. Le boîtier est rayé et cabossé. Le boîtier... Une montre Tissot, Suisse, 1855. Cette montre ancienne a de la valeur, mais elle a vécu. Un dossier appartenant à Zacharias, avec des papiers. Ces dessins représentent les symboles mayas. La victime a encore tous ses objets de valeur. Le coup était puissant et précis. Bon, on prie toujours là. Si j'en crois Lestrade, le calendrier maya serait le mobile du meurtre. C'est en prix. À votre service, monsieur Holmes. Quelque chose de jaune là-bas. La tige de fixation en fer est brisée. Des traces de métal sur la pierre. La surface est endommagée. Des fragments du piédestal. Un morceau de la tige de fixation de la statue. Des fragments du piédestal. Un morceau de la tige de fixation de la statue. Des traces de métal sur la pierre. La statue semble s'être comme libérée de son piédestal. À votre service, monsieur Holmes. Une branche cassée. Quelqu'un s'est aidé de l'arbre pour franchir le mur. Qu'est-ce que tu fais, Derek? L'accès est réservé aux membres du club. Je pense qu'on a tout vérifié, il faut aller voir Lestrade maintenant. Attends, c'est toi. Lestrade ou Latrade, je sais plus son nom. Et concernant la statue? Aucune idée. J'imagine que le voleur a réussi à l'emporter. Bien. Donc, il y avait des voleurs, et ils étaient très bien équipés. Qu'est-ce que tu manges? Bien sûr. Il y a aussi la version de Sir Charles, mais... Continuez. Il a déclaré qu'il était seul à son bureau tôt ce matin, lorsqu'il a entendu un cri. Il est sorti, a vu Greystock allongé par terre et... Croyez-le ou non, il prétend qu'il a vu une autre personne cette nuit-là, la statue qui s'enfuyait en courant. Ainsi, ce serait la statue qui aurait tué la victime. Intéressant. Absurde, plutôt. Enfin, de nuit et dans le brouillard... Un peu comme votre version, en somme. Bon, est-ce que je m'enligne à ça? Un vrai cook, Asti.
On va parler à lui, tiens. Sir Charles, pouvez-vous me dire précisément ce qu'il s'est passé ? Ah, oh, monsieur Holmes. Eh bien, pour préparer la remise des prix, j'avais décidé de passer la nuit au club. J'étais assis à mon bureau quand j'ai entendu un bruit métallique suivi d'un cri effroyable. Je me suis précipité dehors et j'ai trouvé le corps de Zacharias. Et je vous jure, j'ai vu la statue de Tekunuman s'enfuir en courant. Vous avez vu la statue s'enfuir ? Il faisait nuit, mais oui, j'en suis sûr. Elle courait et elle faisait un affreux bruit métallique. Vous voyez bien que le piédestal est vide. Vous connaissiez la victime ? Oui, bien sûr. Zacharias Greystock. Il est... Oh, il était membre du club. Miam. Un excellent joueur. Bon, ça, Bendy. Moi, c'est des ribs du Saint-Hubert avec des patates... T'appelles ça? Des patates douces. Mais que faisait-il ici à une heure pareille? Je ne sais pas. Sir Charles, d'où venait le calendrier Maya? Il s'agissait d'un don anonyme. Nous l'avions reçu peu de temps avant le tournoi, avec une lettre demandant de l'offrir au vainqueur. Le calendrier a de la valeur? Non, pas vraiment. Une valeur historique, bien sûr, mais en dehors de cela, il ne vaut pas grand-chose. Puis-je voir le clubhouse? C'est réservé aux membres. Je ne peux pas vous autoriser à entrer sans un mandat de la police. Des patates en coton. Marie. Portrait complet, hein, lui. Je comprends pas, là. Ah, oh, c'était quelqu'un qui t'est déguisé, là? Non, ce n'était pas comme ça. Ouais, c'était pas comme ça. Là, je comprends pas comment ça... Ah, il est là. Ok, ça marche pas, non.
1, 2, 3, non. Trois, quatre, cinq. Ok, mais lui c'est un autre, ça. Je pense que je viens de comprendre. Ah, peut-être ça marche aussi, on verra bien. Non, ce n'était pas comme ça. Bon, c'était pas comme ça, ben. Tabarnak! Ok, il l'a pas vu tirer. Fait... Toi. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, toi, reviens ici, toi, c'ti. Hein? Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Sinon, il faut peut-être les inverser. Zacharias a été tué à l'instant où il s'approchait du calendrier, transpercé par la lance de la statue de Tekunuman, qui a sauté de sa base et a ensuite franchi le mur. Bon. Toi, qu'est-ce que tu veux? Alors, Holmes? Vos conclusions en tant que consultant? Mes conclusions sont assez proches du récit de Sir Charles. Oh non, vous pensez que la statue est coupable? Tout indique que l'arme a été lancée depuis le piédestal et que M. Greystoke n'avait pas remarqué la présence du meurtrier. Vraiment? Les journalistes vont adorer votre version. J'aimerais examiner le corps de la victime et ses effets personnels. Au moins, vous m'aurez bien fait rire, M. Holmes. Très bien. Je vous autorise à examiner tout ça à Scotland Yard. Mais rien de plus. Une dizaine de minutes, j'ai souper, j'ai faim. J'ai faim. Merci d'être venu si vite, Watson. Lestrade a déjà fait porter le corps de la victime en salle d'autopsie. Toujours à votre service, Holmes. Bobby, ils trouveront le voleur. Le calendrier Maya. C'est l'occasion de l'étudier de... Moi je dois faire pipi, papa. Moi je dois faire pipi, moi je dois faire pipi, papa. Cette lance vient de la statue du piédestal. Cette lance... Une montre Tissot, Suisse, 1855. L'argent est toujours dans le portefeuille. Ah, Zacharias a traduit quelques symboles. Le dictionnaire de Zacharias pourrait me permettre de traduire les symboles du calendrier. Les symboles qui étaient inscrits sur le calendrier Maya. Les papiers du dossier de Zacharias. Ils peuvent nous aider à traduire le message Maya. Un.
Ok, ça, quel va en premier? Ok, c'est... Ça marche. Ah, il aime pas, je suis... tabac. Un. Du faible. Deux. Exister, être semble. Exister, être semblé. Ah, il est là. Ah, ok, je viens de comprendre. Faut que je fasse un choix. Tabarnak. C'était pas clair, ça. Maudit. Allez, où se met, là? Maudit être. Dit-elle celui. Maudit est celui
profané. Temple. Il y en a un qui a un G bien ou quoi? Ah, c'est pas rapport. Je le vois même pas le poisson. C'est... Ah, il est là. Maudit être celui profané. C'est un temple mort. Je suppose. Je suis même pas sûr que c'est un ordre chronologique, là. Non, c'est pas ça. Je le vois pas, lui. Hey, il est là. Bon. Là maintenant, on va essayer de trouver qu'est-ce que ça. Thank you.
fait. Maudit. Tremblé. Personne. Trouvé. Saint. Village. Comment je pourrais oser trouver ça, moi? Maudit sang. Maudit semble la personne qui a profané le saint temple à être dressé. Maître seulement élu est épargne. Maudit faible. Non. Faible. Être. Celui. Profané. Le Saint-Temple. Être. Scellé. Ah, comment je pose savoir qu'est-ce qui est quoi, Master? Ok, maudit. Celui profané, le saint temple mort par la statue. Tabarnak, hein? Faible. Faible. Saint-Temple, mort par dressé. Ah, ça, c'est...
volé. Élu. Ça va s'arrêter, être épargné. Comment je peux avoir 10 sur 10 là-dessus, moi, là? Il y a quelque chose qui va pas, là. Je ne crois pas. Oh, fallait que je confirme! Fuck! Maudit être celui... profané le Saint-Temple, mort, dressé par la statue, seulement l'élu être épargné. Maudit soit celui qui profane le Saint-Temple. Je l'aurais eu tout de suite, Asti. La mort par la statue dressée, seulement l'élu sera épargné. Ce n'est pas seulement un calendrier, c'est une malédiction. Zacharias Greystoke, membre du club, a été tué selon cette prophétie. Calice, ménage. Coup de poing à la face. L'œil est rouge. L'infection semble grave. C'était un jet puissant. La lance a transpercé le corps. On a trouvé des traces d'alcool dans l'estomac. Apparemment, Zacharias avait bu quand il a été tué. Dans son rapport, le médecin légiste mentionne des troubles cardiaques et digestifs. La lance est entrée par là. Le meurtrier visait le cœur. L'arme doit avoir été lancée par quelqu'un de fort et d'habile. Il est possible que le lien entre Zacharias et la malédiction se trouve au club d'archéologie. Je vais avoir besoin d'un mandat. Ces cicatrices sont anciennes. Vous n'êtes pas censé être occupé par vos enquêtes, plutôt que de venir m'ennuyer. Bonjour à vous aussi, inspecteur. J'ai un petit service à vous demander. Un mandat de perquisition pour le meurtre au club. Non, non et non. Tu butes ou quoi?
Puisque je n'ai pas de mandat, je vais devoir m'occuper autrement. Au fait, savez-vous si Sir Robin est en ville ? Je n'en ai aucune idée. Et pourquoi diable me posez-vous cette question ? Très bien. Je crois que j'ai résolu ce que j'appellerais le cas de l'inspecteur Salas. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Rien de déshonorant. Bon, tenez, voilà votre mandat. Alors, il a refusé de vous donner un mandat de perquisition ? Non, non, je l'ai. Je n'aurai pas besoin de vous pendant quelque temps, Watson. À plus tard. Les chars arrivent le statut de Tekuna s'enfuir. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, The Devil Daughter Lies, sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!